On est, on vit, on meurt, mais ce que l'on ignore, c'est comment. La louange est au Seigneur, celui qui est contraint par la mort. Où tu sois, sur terre, dans les mers, elle vient à toi. Ta vie n'est qu'éphémère. Elle est celle qui brise les passions, te sépare de tes proches, apporte la solitude, te sépare de tes biens. Sache que lorsqu'elle vient, en fait, c'est toi qui pars. Avec elle, y a pas moyen pour qu'elle repasse plus tard. Elle est celle qu'on ne repousse pas, elle prouve notre faiblesse. Elle touche les blancs, les noirs, frappe même en pleine jeunesse. Elle apporte la douleur lorsqu'elle emporte les nôtres, mais pousse à réfléchir et aide au repentir. Elle ramène l'équité, rend beaucoup moins arrogant. Par elle, nous sommes unis, cela qu'importe nos opinions, qu'importe ton origine, ton rang social, ta couleur, ton nombre de diplômes. Elle passe te prendre à l'heure. Les pleurs lui succèdent, ainsi que les regrets. Elle raye nos ambitions, elle balaye nos projets. Si elle inquiète, comme ces choses inconnues, elle est douloureuse, voilà ce que d'elle on a connu. Elle met fin aux actes pour que viennent leurs conséquences. Châtiment intense ou réjouissante récompense, tu peux tenter de l'oublier, mais elle n'oublie personne. Et la plupart du temps, elle ne prévient personne. Non, elle ne prévient pas mon frère, elle surprend. Elle ne demande pas ma sœur, elle prend. Attachée à cette vie, beaucoup craignent de la rencontrer. D'autres s'égarent et espèrent pouvoir la contrer. Mais sache qu'elle est une porte que tous devons franchir. Qui est venu ici-bas doit nécessairement partir. Combien sont les gens plongés dans l'insouciance, ayant peu de crainte et beaucoup trop d'espérance, courant après une vie qui souvent leur tourne le dos. Et quoi qu'ils obtiennent, c'est autre chose qu'il leur faut. La plupart des hommes sont ainsi, insatisfaits. Très peu se contentent de ce qu'ils ont comme bienfait. Mais rappelle-toi, mon frère, ma sœur, qu'il est un voyage que tous devons entamer. Alors nos bagages, il convient de préparer avant qu'elles ne viennent de cette vie nous séparer. Ce bas monde, un pont menant vers l'au-delà, l'intelligence le traverse et ne s'y établit pas. Rendons-nous des comptes avant la rétribution. Ne soyons pas tel celui qui voyage sans provision. Car elle est proche, elle arrive, elle vient. La vie est comme un instant, une lumière qu'elle éteint. En fait, elle, c'est la mort, c'est elle. Les gens sont comme endormis, c'est lorsqu'ils meurent qu'ils se réveillent.